Je m'appelle Nazia Mestaoui, je suis artiste et architecte. L'œuvre que je présente ici dans le cadre de la Biennale, c'est une installation qui s'appelle Sounds of Light. Et ce qui m'intéresse en fait dans mon travail d'artiste, c'est de créer des ponts entre des mondes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un pont entre une représentation qui est très technologique, qui est presque futuriste, qui utilise les sciences et la technologie pour parler d'une culture ancestrale avec des racines très profondes, puisqu'en fait c'est une œuvre dans laquelle on entend, on voit, on ressent un chant qui vient d'Amazonie, qui est chanté par un chaman, qui nous connecte quelque part aux esprits de la forêt. Et ce chant est aussi un soin. Donc en fait, on voit une œuvre qui se passe dans un bassin rempli d'eau, qui vibre avec l'énergie du chant. Donc ce bassin a toute une série de vibrations à sa surface. Une lumière se reflète et cette lumière change en fonction des émotions et de l'activité cérébrale du chaman. Donc l'idée, c'est de voir les émotions, de voir l'énergie, de voir ce champ qui nous traverse et qui nous soigne. Et comme notre corps est composé d'eau à 70% au minimum, ce qu'on voit à la surface de l'eau et ce reflet, c'est finalement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps.